Je crois que vous avez vraiment pris conscience que mettre vos qualités au service de l'équipe de France vous a permis de gravir tous ces sommets. Je crois qu'il y en a parmi vous, beaucoup, qui ne pensaient pas atteindre ce niveau. Je ne parle pas des résultats. Je parle individuellement dans la répétition des efforts, l'intensité. Là aussi, c'est du don de soi. C'est du don de soi. Donc il vous reste une étape. Une étape à franchir, à remettre une nouvelle fois vos qualités au service du collectif. Voilà, messieurs, le dernier acte vous appartient. Je répète, sans pression. Vous n'avez aucune pression à avoir. C'est du bonheur que de jouer une finale d'un championnat d'Europe. Vous avez tout en main. Vous êtes une belle équipe. Vous êtes un beau groupe. Vous avez un très beau collectif. Donc ça va le faire naturellement. Dépassement de soi une nouvelle fois. Allez au bout du bout de ce que vous pouvez faire pendant 95 minutes pour être récompensé et aller chercher le toit d'Europe. Bon match.
mi-temps, les gars. C'est un match de haut niveau. C'est un match de haut niveau. C'est chacun ses phases de possession. Eux, plus en attaque rapide. On le sait, c'est de la transition. Okay. Et nous, en possession. Seulement, il faut que nos phases de possession soient productives. Prenez le temps. À chaque fois que vous avez réussi à passer le premier rideau, après, on arrive à faire des choses. On l'a fait bien, les gars. 45 minutes pour rentrer dans l'histoire, les gars. On prend notre titre aujourd'hui. Allez. Allez, les gars. 45 minutes, non, les gars. On lâche rien, on n'encaisse pas de but et on est tous concentrés du début jusqu'à la fin, les gars. Allez, c'est pour nous. Allez, 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 allez.
On est tous déçus d'avoir perdu une finale de l'Euro. C'est dur. Franchement, on a tout donné sur le terrain. On était tous ensemble. Il y avait 20 guerriers. C'est très dur pour nous. Mais bon, on va essayer de relever la tête et essayer de bien terminer la saison. Ouais, si c'est un coup moral pour toute l'équipe, on est déçus, mais on est fiers de tout ce qu'on a montré. On est fiers d'avoir défendu fièrement notre couleur. Et moi, je suis fier parce qu'il y avait ma famille et je pense que je leur ai rendu plaisir. Beaucoup de déceptions. Après, moi, je suis très fier du parcours. On a affronté des nations qui sont très difficiles à jouer. L'Espagne, le Portugal, l'Allemagne en poule, l'Écosse, l'Angleterre en quart. Et on en a fait les Allemands en finale. Je pense qu'on a fait un très très bon match. Le coach peut être fier de nous, je pense. Nous, on peut être fier de ce qu'on a accompli. Maintenant, voilà, hein, c'est la loi du football, c'est les pénaltys, c'est comme ça, mais on reviendra plus fort pour la Coupe du Monde. On était à ça, on tape le poteau, le gardien il fait un arrêt, donc ça fait partie du foot, on apprend et on se relève, c'est comme ça. Qui nous a manqué? Franchement, il nous a pas manqué grand chose, peut-être un peu d'efficacité devant le but. On a eu des occasions, on est procuré beaucoup, on n'a pas été assez tueurs. C'est le haut niveau, ça demande beaucoup de régularité et beaucoup d'efficacité. Voilà, donc c'est une grosse déception momentanée, mais une grande satisfaction du tournoi, parce qu'on a fait vraiment un très beau tournoi pour arriver en finale. On est qualifié pour la Coupe du Monde. Et je pense qu'il y a une belle génération qui a envie de continuer à travailler. On est prêt à aller défendre fièrement nos couleurs. Avant ça, on va se préparer, on va bien se préparer. Là, d'abord, on va se reposer cet été. Après, bien reprendre avec nos clubs et on va renchaîner les sélections et continuer à se battre une nouvelle saison.